Sagnac, l'interdit capitaine de 4-0, accompagné de Benjamin Germain, handicap 9-1, Mathieu Lefranc, Saint-Pierre, handicap 4, et Stanislas Carrel, handicap 2. Louis Bruno Renaud, Frédéric Lajeunet, la Saint-Pierre de la Balle, il sera accompagné de Jérôme Ney, Frédéric Atelier et Raphaël Lerabé-Chardin. Mathieu Lefranc, attendu par Bruno Renaud. Mathieu qui frappe à gauche pour Lucardi, mais la balle est très vite récupérée par Bruno Rigaud qui frappe la balle. Mais la balle passe à droite des poteaux, ce sera un nouveau dégagement en faveur de Sagax. Mathieu Delfos, frappe de Mathieu. Pour son capitaine Lucardi. Lucardi, au marqueur, avec Frédéric Atelier. Lucardi. Lucardi en direction de Gaulle. Donc cette balle, bien sûr, par Benjamin. Mais la balle va passer à gauche de côté, donc coup sur coup. Voilà. Même esprit devant les poteaux. Difficile pour les deux équipes. Et ce sont les blancs de Cajunienne qui vont pouvoir engager. Brille Rebelle. Cherche une solution à l'heure de marquer. Rappelez-la pour Frédéric Atelier. Brille. Entendu, accroché à Mathieu Delfos. Frappe de Mathieu Delfos pour Lucardi. Tournez la balle. Accrochage de Brio par Stanislas Lawel. Mathieu Delfos est toujours en contrôle de cette balle, attendu par Jérôme Meunier. Un de Mathieu, pour le gouvernement. Le gouvernement qui en demande un peu de vitesse. Stanislas Kamen qui récupère la balle pour Sagat, mais il est marqué back de Brigade pour Jérôme Agné qui tente de frapper aux planches. Raphaël Lehmann qui récupère cette balle. Le reste à Jérôme Agné. Qui nous laisse à Brigade. Devant, pas devant. Belle balle de Bruno pour Frédéric Artelier, totalement débarqué. Qui relance, qui frappe, mais va-t-elle récupérer cette balle avant qu'elle sorte? Non, la balle sort. Et ce sera un dégagement pour le groupe de Sagax. Sur les goals pour Raphaël Lehmann, Jérôme sur le coup, mais la balle va nous sortir de la bouteille. Mathieu.
Mathieu qui frappe bien, la balle est bonne. Et très joli. Back de Jérémy qui a mettre sa balle planche, laisse son pilier. Bruno Rigaud récupère la balle. Et fait aussi peu. Stanislas qui avait le marquage avec Brio Rigo, le meilleur joueur français du top 6 qui tourne avec la balle. Brio. Brio en dribbling qui a décidé de partir le quart du. C'est un bon joueur. Brio Rigo qui en fait là. Et la balle est pour Brio Rigaud.
Qui frappe cette balle pour Jérémy pour le Yoruba. Il réussit à passer son capitaine. Très belle balle pour son capitaine. Frédéric, direction le goal. La balle. Bien action. Qui s'attend à la balle? On va en servir à tirer des balles. Le frappe est en train de faire. Le sur la balle, j'ai une balle de Boyango. Oh, dommage qu'il y a un peu de monde de Frédéric. J'ai remanié. Donc, on peut la récupérer. C'est Stan Clavel qui la récupère. Pas en direction des balles. C'est le meilleur qui récupère la balle. Meilleur qui frappe pour Jérémy, qui va frapper pour Frédéric Atelier. Frédéric Atelier recevra la balle tendue par Lucardi. Frédéric a toujours perdu. Le collègue est bon. Un dommage pour elle. La balle va passer à droite des côtés. Une très belle action du capitaine de l'équipe. Sanitaire, la partie avancée, troisième période de la Coupe de Chambre. Stanislas Cavel qui s'empare de la balle pour Sagax, très belle frappe pour Lucardi. On marque avec Raphaël Lennon, Luc, sur les feux très rapides. Qui frappe la balle, passe. Très belle frappe du capitaine de Sagax. Le petit Kiki Labé est attendu à la tribune pour sa maman. Le petit Kiki Labé. Germain, pour Sagax, le Germain, fond vers le goal. La balle saute, Germain, le roule, 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 roule. Entre les goals. Germain y récupère pour être un Julien. Attention, écoutez, plein feu, merci de vous y. Voilà, merci. Et vous allez venir à 10 mètres.
Alors, est-ce que ce micro marche mieux? Apparemment, oui. Bonjour, monsieur Mallet. Le Jérôme Amier est en direction des Bleus. Ah, bah, elle est sortie. Ce sera un dégagement en faveur des Bleus de Sagax. 4,5-4, toujours en faveur des Bleus. Il va pouvoir dégager Mathieu Defosse qui pousse la balle. Attends, ses avant de marquer. Frappe de Mathieu pour légèrement Frédéric Canto. Éclair la première sur la balle, ne parvient pas. Effectue un bac, on voit qui frappe. Accroché par Jérôme et Brieux-Rigaud en profite pour récupérer la balle à gauche, tourne avec. Brieux, la balle est aux planches. Frappe pour ses avant, Raphaël Lehmann. Mais Stan Clavel est premier sur cette balle, non? C'est... Il va frapper cette pénalité. Très belle frappe de Brieux-Rigaud pour son capitaine Frédéric Atelier, mais qui est attendu par Mathieu Delfos qui en profite pour tourner avec la balle. Mathieu. Mathieu Delfos qui attend une solution en avant. Elle le fait savoir vivement. Et légèrement à gauche. Frédéric Atelier, bac de Frédéric à planche pour Brieux-Rigaud, accroché. Et faut siffler par les arbitres sur cette action. Toujours un demi-goal d'écart entre les deux équipes à l'avantage. Frappe de Mathieu Delfos pour Stan Clavel, mais la balle est arrêtée. Brieux-Rigaud va tourner avec, attention, le pilier de Claire Julianet qui part, attendu par Mathieu Delfos, qui attend ses avant. Après le match est parti. La balle est dans le maillot de Brieux, Jérôme à gauche. Et Brieux toujours. Attends, la balle est passée entre les poteaux. Et là, Julianet qui reprend l'avantage. Raphaël Lehmann qui tente de frapper la balle. C'est un nouveau Brieux qui frappe pour lui-même, qui sera tourné sur cette balle. C'est Brieux. Joli coup sur l'encolure de Brieux dans l'axe des goals. Jérôme Agnier pour pousser cette balle. Back de Vicardi. Récupération Brieux, ça ne passe pas. Et ça finit par rentrer. Par back de Brieux.
Merci à Pulit sur tes coulées, 30 secondes de jeu supplémentaire. Mathieu qui arrive par la gauche, c'est Brieux qui s'empare de la balle, va tenter de frapper au vol. Hors de Brieux qui passe entre les pieds. De retard pour Sagax. Mathieu qui frappe, toujours Stanislas Clavel qui frappe la balle. Pour le jardin au marquage avec Bruno Ribot. Travaille le coup sur le collier de Stan Clavel. Le numéro 3. Bon, l'équipe Sagax qui permet à son équipe de revenir 5 à 5 et demi. Début de. Pour Éclair Lyonnais, récupère la balle, très joli coup ouvert pour son co-capitaine Frédéric Atelier. Frédéric A, qui va aller récupérer par Stan Clavel à gauche, le facteur back est tourné avec Kermalek. La frappe de Stan, mais Jérôme Néveille. Garde la balle, la laisse à Brieux, qui emmène la balle aux planches. Il passe Stan, frappe de Brieux, pour Frédérica. Frédérica qui frappe de poursuivi par Lucardi, Frédérica toujours. Tentative de maintenant, et c'est Mathieu Benfus pour Sayax qui va récupérer la balle. Frappe au Germain, qui la récupère, c'est Jérôme. Petit coup à gauche pour changer les lignes, la balle est aux planches, balle de Jérôme pour son pilier. La belle action. Rigaudo. Et c'est Jérôme qui passe. L'accrochage de Brieux qui va frapper au goal. Légèrement à gauche, et c'est un dégagement en faveur de Bleu de Sagax. Mathieu Delfos, donc c'est Stan Clavel qui parle. Frappe de Stan. Pour Mathieu Delfos au marquage avec Jérôme devant la tribune. Mathieu, le goal. Allez, très belle frappe de Mathieu Delfos pour Hugo Germain. Poursuivi par Raphaël Leman de Chermont. Tentative de récupération Frédérica, ça ne passe pas, et son pilier veille. Louis Hugo qui tourne avec la balle, là, tendu. Par Lucardi. Appel de balle de Frédérica, très belle balle de Brieux pour Frédérica, totalement débarqué. Frédérica, belle frappe de Frédérica, devant le but, Frédérica. Sortir à droite des poteaux. Dégagement en faveur. Bonjour Max. La belle frappe de Brieux pour Frédérica.
Et qui passe au-dessus de la balle, qui la récupère. Raphaël Lehmann qui relance son équipe. Stan Pavel. Qui frappe pour Hugo Germain. Hugo Germain à gauche. Jérôme Agnew pourrait être là, va récupérer la balle, mais ne la prend pas. Et c'est Mathieu Defos qui avance en direction des goals. La balle est devant les goals, il la pousse. Ça passe entre les poteaux, 7 à 6 et demi. Il peut se décider sur une. Elle va l'annoncer. 45 secondes de jeu restant. La balle. Et non, le maillet de Sagax par Stan Clavel. Gêné par Jérôme Agnew qui lui pique cette balle. Jérôme Agnew, belle frappe de Jérôme Agnew en direction des goals. La balle est juste devant les goals, va-t-il pouvoir l'inscrire? Tentative de balle, ça ne passe pas. Sagax récupère Mathieu Defos. Qui part avec la balle, attendue par Brieux. Il reste quelques secondes. Je rappelle qu'il y a 7 minutes. C'est la fin de la partie sur Sagax. Et à le plus vite possible, enfin, d'effectuer la remise des prix. Il a fait totalement le sens, le bon côté du système. Merci de vous accueillir une bonne fois, c'est moi qui ai le standard.